Catherine des poids lourds. Ce combat vous est présenté par Sonex Plus, l'autre dimension de l'image et du son. The next bout of the evening is in the TKO Heavyweight Division. This bout is proudly brought to you by Sonex Plus, the next dimension in video and audio. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. L'arbitre, the referee, Philippe Chartier. Tout d'abord, dans le coin bleu, portant la flotte noire et rouge et pesant 241.6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with red trims and weighing in at 241.6 pounds. Il est toujours invaincu en arts martiaux professionnels avec une fiche d'une victoire obtenue par KO en un seul combat. He is still undefeated in mixed martial arts, and his professional record shows one win by way of knockout in one bout. De Saint-Julie from Saint-Julie, Quebec, ladies and gentlemen, the Train Bomb Lundy! Son adversaire dans le coin rouge, portant la culotte rouge et noire et pesant 216.4 livres. Across the ring, fighting out of the red corner, wearing red trunks with black trims and weighing in at 216.4 pounds. Il a une fiche professionnelle d'une victoire, obtenue par KO en deux combats. His professional record shows one win by way of knockout in two bouts. De Chicoutimi, from Chicoutimi, Quebec, Iron Leg, Sébastien Gauthier! Break, on break, on
119 RG, lettrage zone libre, Plessisville. On vous invite à déplacer votre véhicule immédiatement. Dodge Caravan, 119 RG, lettrage zone libre, Plessisville. Le gagnant par TKO après 1 minute et 3 dans la première, il fait la première round de ce combat. The winner by 1 minute and 3 seconds in this bout by TKO. Ladies and gentlemen, Sébastien Gauthier. À distance, étant donné que tu avais quand même un certain avantage sur la grandeur. Effectivement, oui. Sauf que j'avais pas le droit de perdre à soir. Pas le droit, il fallait que je gagne, puis je le tenais loin. Grâce à Côté, puis Claveau de Team Légion, crochet et la droite. Tu savais que tu l'avais pincé d'aplomb quand tu t'es rué sur Bob? Oui, mais j'avais peur en prenant son dos, qu'il me tourne, qu'il se relève, mais il n'y a pas eu le temps. Merci à mon adversaire en passant. Merci beaucoup, Sébastien. Vainqueur du match contre Bob Landry. Merci à tout le monde de Chicoutimi qui m'encourage, puis de Victo! We'll be right back.
Le prochain combat de la soirée dans la catégorie des poids lourds. Ce combat vous est présenté par le Proform de Saint-Consat. The next bout of the evening is in the TKO Heavyweight Division. This bout is proudly brought to you by the Proform and Saint-Constant. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. L'arbitre, le referee, M. Philippe Chartier. Tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte bleue et pesant 236,4 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing blue trunks and weighing in at 236.4 pounds. Il a une fiche professionnelle d'aucune victoire en un seul combat. His professional record shows 1 loss in only 1 bout. De Rivière-du-Loup, from Rivière-du-Loup, Québec, David Fraser! Son adversaire dans le coin rouge, portant la culotte noire et pesant 248,4 livres. Across the ring, fighting out of the red corner, wearing blue trunks and weighing in at 248.4 pounds. Il participe ce soir à son premier combat professionnel. He is making his professional mixed martial arts debut tonight. De Saint-Julie, from Saint-Julie, Québec, The Train, Bob Landry! Come on.
Ladies and gentlemen, les gagnants par TKO après 5 minutes dans le deuxième round. The winner by abandon after 5 minutes in the second round. Ladies and gentlemen, the Train Calendar! Le prochain combat de la soirée de la catégorie des poids lourds. Ce combat vous est présenté par le Saint-Martin Hotel et Suite. The next bout of the evening is in the TKO Heavyweight Division. This bout is proudly brought to you by le Saint-Martin Hotel and Suites. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 3 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 3 minutes. L'arbitre, the referee, Mr. Yves Lavigne. Tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte verte et pesant 284,6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing green trunks and weighing in at 284,6 pounds. Il participe ce soir à son premier combat professionnel. He is making his professional mixed martial arts debut tonight. De Brockville, en Ontario, from Brockville, Ontario, Ray Noel, the Pilly!
Son adversaire dans le coin rouge, portant la pelote noire et pesant 259.2 livres. Across the ring, fighting out of the red corner, wearing black trunks and weighing in at 259.2 pounds. Il a une fiche professionnelle d'une victoire obtenue par KO en deux combats. His professional record shows one win in two bouts. De Saint-Julie, from Saint-Julie, Quebec, The Train, Bob Landry! Thank you.
after 2 minutes and 58 seconds in the second round of this bout. Le gagnant par TKO. Après 2 minutes et 58 secondes dans le deuxième round de ce combat, Robert Landry! Que tu viens de gagner, compte tenu qu'à ton dernier combat, tu as subi une grave blessure au visage. J'imagine que c'est un combat dont tu es très, très satisfait. Oui, il avait la tête dure. J'ai cogné dessus, puis il bougeait pas trop. Mais on s'est entraîné fort, Donald Women, Stéphane Dubé, M. Bossé, toute la gang, on a travaillé fort. Un bon résultat. Est-ce que pour toi, c'était important d'avoir une victoire? Parce que, je l'ai dit, tu avais subi une grave blessure au visage à ton dernier combat, puis il fallait que tu te remettes dans le bain. Est-ce que tu étais craintif un peu? Oui, craintif, mais j'ai viré ça de l'autre bord. J'ai décidé de foncer, puis ça a payé. Tu savais que tu l'avais pincé comme il faut dès le départ, j'imagine? Oui. Merci, Bob. Evans obtient enfin la chance de se faire pardonner ce soir au Centre Bell alors qu'il croise le fer avec le Québécois Bob Landry. Evans adore échanger coup pour coup et il tient absolument à démontrer qu'il s'est amélioré de façon drastique depuis sa dernière visite à Montréal en septembre 2005. Ayant participé à un camp d'entraînement à Albuquerque au Nouveau-Mexique, il s'entraîne depuis plusieurs mois pour un combat puisqu'il devait affronter Steve Bossé en septembre dernier. Après avoir été refoulé à la douane, Evans a réglé ses problèmes avec la justice et ce soir, au Centre Bell, il convient en faire voir de toutes les couleurs à celui qu'on surnomme le train, Bob Landry. Last night was terrible, you know. I started out driving early in the morning, coming all the way up to Watertown, New York, do the reservation, and get stopped at the agent, you know. I really didn't train the way I should have, you know. I just came off of a deployment and just took the fight. I'm just going to let my training, you know, speak for itself. I trained down in Albuquerque, New Mexico with, you know, one of the best teams, if not the best team in MMA today, you know. I really don't know nothing about them, you know, but I give them respect, you know. I give everybody who steps in the octagon respect. My strategy is coming into the fight, go wherever the fight takes me, you know what I mean? Kick some ass. Yeah, I would like to fight Bossy, you know. I heard a lot of good things about Bossy, so, you know, I want to fight good fighters, I want to fight the best fighters. Le combat de ce soir représente tout un accomplissement pour Bob Landry, alors qu'il réalise un rêve en prenant part à un combat sur la carte principale d'un événement TKO. Possédant une excellente boxe, Landry est un athlète qui met une ardeur peu commune à l'entraînement afin d'améliorer toutes les facettes du sport des combats ultimes. Ayant remporté ses deux victoires par KO, Landry a une confiance inébranlable en sa force de frappe et son objectif est clair ce soir face à l'Américain Lance Evans. Il ne cherche rien de moins qu'une troisième victoire par KO. Landry a le cœur plus gros que le Centre Bell et il donnera tout ce qu'il a ce soir dans un combat qui risque de se transformer en véritable guerre. Parce que chez Lance Evans, pas beaucoup de choses. Ça a l'air d'un gars assez fort physiquement qui est prêt pour faire une guerre. Puis il veut la guerre, mais ça, il va l'avoir, c'est sûr. Ça devrait être un combat assez serré dans le sens qu'il faut que je l'analyse aussi au début. Puis on ne sait pas s'il est comme son frère, un grand lutteur, tout ça. Mais ça devrait être un combat assez excitant. Autant debout qu'au sol, la lutte, jiu-jitsu, le stand-up aussi.
J'ai travaillé aussi avec Tim Bergeron, toujours avec Stéphane Dubé chez KJS. Je m'y avec Steve Boissé, Ben Galland, tous des gros bonhommes. Fait qu'on a fait nos devoirs, ça devrait bien aller. Le prochain combat de la soirée dans la catégorie des poids lourds. Ce combat vous est présenté par Lito Melil. The next bout of the evening is in the TKO Heavyweight Division. This bout is proudly brought to you by Lito Melil. Ce combat est prévu pour 3 rounds de 5 minutes. This bout is scheduled for 3 rounds of 5 minutes. L'arbitre, le referee, M. Yves Lavigne. Tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et camouflage et pesant 236,8 livres. In the blue corner, wearing black trunks and weighing at 236,8 pounds. Il a une fiche professionnelle d'une victoire obtenue par soumission en 3 combats. His professional record shows 1 win by way of submission in 3 bouts. De Niagara Falls aux États-Unis, from Niagara Falls, New York, United States. This is Big Bad Lance Evans! Son adversaire dans le coin rouge, portant la culotte rouge et pesant 250,2 livres. Across the ring, fighting out a red corner, wearing red trunks and weighing in at 250.2 pounds. Il a une fiche professionnelle de 2 victoires, toutes obtenues par KO en 3 combats. His professional record shows 2 wins, all by way of knockout in 3 bouts. De Saint-Julie, from Saint-Julie, Québec, le très Bob
Landry! Right, right, right.
the winner by TKO after 2 minutes and 57 seconds in dismount. Le gagnant par TKO après 2 minutes et 50 secondes dans ce combat. Ladies and gentlemen, a big bad Lance Evans! First time don't count, man. No. I just came off a deployment. Well, you tell me about it. Yeah, tell us about it, okay? I'm here with your winner, Lance Evans. Lance, it's your second time here in TKO. The first time, things didn't go so well for you. Tell us about that. The first time, you know, it was a fluke. I just came off of a deployment, and I just got the fight at the last minute. You know, I wanted to fight, so I took it. You know, and the outcome was what it was, but I'll fight him again, you know, anytime. Now you're here finally getting victorious here in TKO. You were scheduled to fight in TKO 30. Things didn't happen. You had problems with the border, so now you're here. You fought a very tough Bob Landry. Bob is a heavy favorite here. Got a lot of friends, trains real hard, trains Stéphane Dubé, Steve Bossé. What did you do to prepare for this fight? I just do what I do. I train with the best team in MMA. Team Jackson's down in Albuquerque, New Mexico. Training my brother, Rashad, you know, all the big stars in the UFC, you know. So I just want to thank my corner, thank my brother, and thank God, you know. Big fight coming up tonight. Icho Lorenz versus Steve the Boss Bossé. Now, is there any of those two that you'd like to face? I'll fight anybody. Well, fight anybody. Welcome back, TKO. All right, thanks. Thank you. I just want to say thanks to all the fans, you know? Je vous souligne, mesdames, messieurs, que les gagnants des combats signent les autographes au qui.